quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il céda. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Nous pouvons te servir, nous pouvons te chérir,
Nous pouvons accomplir, Seigneur, le jour pour lequel tu nous as assuré d'avance, mon Dieu. Nous pouvons célébrer la gloire dans le bien-aimé, c'est grâce à l'eau de la croix. Seigneur, je veux glorifier ton nom ce soir, sur cet après-midi. Je veux, Seigneur, glorifier ton nom et ta puissance, car en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais sois toute la gloire, la louange et la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je salue pour faire les gauches de moi, et Jésus est vivant. Tu peux nous dire, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous n'avons pas entendu, dis-lui, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager avec nous la parole de Dieu ce matin. Merci à vous, merci à votre grâce, à la confiance qui nous témoigne. La parole ce matin, sinon cet après-midi, se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset 18 jusqu'au verset 25. Corinthiens chapitre 18, verset, plutôt chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Il me dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Et je rendrai nul l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il n'a plus à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Car les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Et nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous allons parler ce matin, cet après-midi, de la croix qui est la puissance de Dieu. Je demanderai vraiment votre attention à la parole de Dieu. La Bible déclare que dans leur détresse, ils ont invoqué le nom du Seigneur. Le Seigneur envoya sa parole et sa parole les guérit. Sa parole les délivra. Dieu, pour agir dans la vie d'une personne, prend toujours appui à sa parole. Parce que c'est elle qui soutient toutes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, écoute cette parole. Très bien. Écoute cette parole. Dis-lui, écoute cette parole. La parole de la croix, la prédication de la croix, vous ne serez pas long, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul nous dit ici, il parle aux chrétiens qui étaient à Corinthe, il leur dit, il leur parle de la réalité spirituelle qui est capitale pour nous. Il parle de la croix. Et je veux nous dire aujourd'hui que sans la croix, nul ne serait sauvé. Sans la croix, le christianisme sur lequel vous et moi nous avons mis notre foi est vain. Sans la croix, les puissances occultes auront toujours le dessus sur les hommes. Mais je veux vous parler d'une puissance qui est suprême. Et la puissance, c'est par laquelle Satan tombe. Et Satan tombera tout le jour. C'est celle de la croix de Jésus. Alléluia. Paul dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. La croix, c'est quoi? Elle n'a rien à voir avec le signe de la croix que vous voyez. Mais la croix nous parle, ou nous fait référence ici à l'homme de Galilée. La croix ici fait référence au Dieu créateur du ciel et de la terre
qui a quitté son trône et qui est venu dans ce bas-monde, qui a pris le péché de l'humanité, qui a pris nos fardeaux, qui a pris nos iniquités et qui est monté à la croix pour mourir pour nous. Étant été fait objet de malédiction pour que nous, les hommes qui croyons en lui, nous puissions recevoir la bénédiction, la grâce, la vie. Car il n'y a pas de bénédiction en dehors de la personne de Jésus-Christ crucifié à la croix. Paul nous dit que cette croix, elle est une folie. Où sont les scribes avec leur Torah, cette lettre qui tue, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Où est le raisonneur de ce siècle? Montre-moi le mathématicien qui pouvait sauver l'humanité. Même le plus grand mathématicien, face à la mort, il est faible. Mais je veux parler de quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie, qui confond la sagesse des raisonneurs. Alléluia. Jésus crucifié. La Bible dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la prédication, plutôt par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. C'est bien, comme il y en a beaucoup qui aiment les miracles. C'est bien, c'est pas une mauvaise chose. Mais je vous parle de quelque chose qui est au-dessus des miracles. Amen, amen. Ah non, quelqu'un ne me comprend pas aujourd'hui. Amen, amen. Je veux votre réaction face à la parole de Dieu. Il y en a qui aiment les miracles. Qui aime les miracles ici? Tout le monde, moi j'aime les miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui aime les miracles? Qui aime la sagesse? Mais je veux vous parler de quelque chose qui est au-dessus des miracles et qui est au-dessus de la sagesse. Amen, amen. C'est la croix de Jésus. Amen. Vous savez pourquoi je dis? Un jour les pharisiens sont venus, ils ont dit à Jésus, montre-nous un signe venant du ciel. Jésus leur dira, il ne vous sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Amen. Parce que Jonas, ça fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais le Fils de Dieu fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais alors, le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Il dit, les Juifs cherchent le miracle. Les païens, les Grecs cherchent la sagesse. Nous allons tous les jours à l'école, Bac plus 20, Bac plus 40, on veut la sagesse. On veut la science, la connaissance qui peut enfler. Mais je veux vous parler de la puissance de Dieu capable d'apporter le salut de l'humanité. Paul dit nous, enfants de Dieu, toi et moi, il dit nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. La croix égale Jésus-Christ crucifié. Amen. Jésus-Christ suspendu à côté de la croix. Oui, là était le rendez-vous divin. Là était la marque de Dieu. La marque de Dieu pour l'amour de l'humanité. Amen. Avant et après la croix, rien d'autre n'a été aussi grand et puissant que aurait pu supplanter ou sinon substituer, n'est-ce pas, cette œuvre à la croix. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Oui, scandale pour les Juifs. Vous savez pourquoi? Les Juifs s'attendaient à un sauveur qui les délivrerait de la puissance des Romains. Mais lui, il est venu mourir pour eux. En quoi la mort d'un homme peut-elle apporter la délivrance? Mais je peux vous dire une chose. Derrière la mort se cache le mystère de la vie. Amen, amen, amen. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen, amen. Avant que quelque chose ne prenne vie, il faut qu'il y ait mort. Je parle prophétiquement à certaines personnes aujourd'hui. Avant qu'il y ait la vie de Dieu manifestée dans ta vie, il faudrait au préalable une mort certaine. Dieu permettra que tu passes par le chemin de la mort, car c'est le processus de Dieu pour accéder à la vie éternelle. Les Juifs cherchent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, qui est scandale pour les Juifs. Les Juifs seront toujours scandalisés. Les Grecs seront toujours dans la confusion, dans la folie. Qu'est-ce qui se passe? Mais cette croix, la Bible au verset 24, elle est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. La croix est la puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu pour celui qui croit. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 1 à 2, regardez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit, Paul dit ici, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage.